Hey, salut tout le monde, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'Armée vers l'or sur MW3 au Sniper L118A. pardon, un petit chat dans la gorge. Et donc, voilà, zone de largage, j'ai pas l'insertion tactique malheureusement, mais bon, je vais essayer quand même de faire un petit carnage avec ce petit sniper que j'ai vraiment peine à utiliser. Un peu comme, comme sur Ghost avec le L115, c'est vrai qu'avec le L118 c'est un peu pareil, c'est des snipers que j'ai du mal. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, j'aime beaucoup le L96 de Black Ops 1. En même temps, il n'y a pas grand chose comme choix de toute façon, j'ai envie de dire. Et bon, voilà, donc j'ai pris Impact. Ah, tiens, il y a Focus. Ah, bon, on va tester Focus, voir ce que ça donne. Camouflage, je vais prendre mon camouflage classique, je préfère quand même. Sur la classe, bon, voilà, on va prendre ça. Écoutez, de toute façon, les atouts, les accès, enfin, les killstreaks, on s'en bat les couilles. Et on va prendre ça comme ça, en espérant que ça marche bien, en espérant de faire du kill. En plus, c'est sur dôme. Alors, c'est vrai que l'avantage, un énorme avantage avec le L118A, c'est un zoom très très fort. Donc, sur des maps qui sont très grandes, c'est vraiment le bonheur. Et pour moi, une map comme dôme, où c'est une map qui est petite, le combat est rapproché, avec ce zoom fort, j'ai vraiment du mal. En tout cas, c'est un petit peu comme ma petite bête noire de MW3, c'est sa petite map avec L118. C'est pas simple. C'est vrai que dans l'idéal, ça serait plutôt la S50 sur dôme, puisque le zoom est très faible. À la limite, on pourrait me dire, ouais, est-ce que tu mettrais le zoom variable? À essayer, mais je l'ai pas encore sur L118, mais c'est vrai que j'essayerais bien, voir si ça offre pas justement un petit zoom intermédiaire par rapport à ce zoom très fort. Et quand t'as pas l'habitude, bon, c'est vrai que si tu joues que L118, tu fais même plus attention. C'est comme n'importe quel sniper, si tu joues que avec celui-là, voilà, pour toi, c'est ce qui est assez le meilleur au monde. Mais quand tu joues que avec des zooms qui sont moins forts, c'est vrai que c'est un peu déstabilisant. Comme la S50, où le zoom est faible, par exemple, c'est la même chose. Ça commence pas très bien. Mais bon, ouais. Hein. C'est pas toujours parfait, malheureusement, ça se serait. Ouais, d'accord. Flash, fumigène. Quoi d'autre? Hein? Quoi d'autre? Vas-y, raconte. Bon, au moins la dernière fois, je crois que sur l'épisode du L118, j'avais débloqué le chargeur amélioré. Qui... Ah. Voilà, c'est exactement ça, j'ai du mal. J'ai du mal avec la proximité. Bon, ça tombe pas vraiment bien que ça soit Dome au début. Encore que bah, ça va m'entraîner, comme ça, il y aura forcément une map plus grande après, puisque Dome est la plus petite. Donc peut-être que ça sera un avantage. Alors, je me fais baiser à droite, je me fais baiser à gauche, je me fais baiser partout. Hein. C'est pas terrible. Ah, je crois que j'en ai vu un là-haut. Enculé, il s'est fait tuer en plus. Oh, 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 oh la bouffe ça, mon pote. Arrête, mais je suis dessus! Ah bah voilà. Ah. Putain, j'ai cru là, le hitmarker, j'ai cru que j'allais me faire tuer. J'aurais pas trop apprécié. Hein. Alors, vous avez peut-être remarqué que j'ai changé de micro. Parce que l'autre faisait quand même un petit bruit d'interférence comme ça, un bruit de fond, mais c'était un petit peu gênant. Donc j'ai pris le Blue Yeti, en espérant que la qualité vous plaise, en espérant que le son soit bon. Et si c'est bien, bah c'est bien. Voilà. Grosse, grosse argumentation sur le coup. Tiens, j'ai détruit le drone. Ça, ça fait plaisir. Allez, c'est parti. On va aller voir un petit peu ce qui se passe là-haut. Ah merde. Petite salope. Hein. Pardon, excusez-moi pour l'insulte. Faudrait pas que j'insulte, parce que surtout que sur ma vidéo... Oh là là, ce que je lui ai mis là. Oh, ce que je lui ai mis à flasher, mon pote. Ah là, là arrête de jouer. Vends ta console. T'as plus le droit de parler, mon pote. Dommage, 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 dommage. Ça arrivera pas là? Elle est dans le couloir. Ah, j'aimerais bien, il y a trois mecs qui arrivent, qui s'alignent, boum, triple. Ça fait toujours plaisir. Bon, bah pas tout de suite. J'avais pas envie de toute façon.
Je le sentais pas. Je le sentais pas non plus. Il y a des fois, ça va, il y a des fois, ça va pas. Je crois que c'en est un, ça je suis pas très sûr. Je vais jeter une petite... Ah, il est là. Coucou Joseph. Oh lui, on dirait que t'as la tête dans le colis un peu. Predator, vas-y, je vais le prendre, on sait jamais. Ça peut rendre service de temps en temps, surtout s'il y a un hélico. La tourelle, si elle sert à rien, faut le dire. Je la prendrai pas la prochaine fois. Oula, je me fais faire ma pute. Non, je croyais qu'en fait c'était celui qui vient de se faire buter. Bon, allez, mec. Oh! Ah, ce que je l'aurais mis. Oh là 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 là, oh là là, pff, oh les mecs, vas-y. Alors là, je lui colle la Semtex, je le tue en oscope, et juste derrière, ça tue, la Semtex tue quelqu'un, et je retue quelqu'un en oscope derrière. Alors là, franchement, je suis vraiment assez content de mon petit coup. C'était pas fait exprès, mais il fait plaisir. Surtout, j'ai même pas visé solide, tu vois, pour le noscope, donc ça fait encore plus plaisir. Ah merde, il y avait le petit connard qui campait derrière le truc. Parce que j'aimerais pas que les ennemis prennent la C-130 que j'ai vu par terre. Généralement, la C-130, il est un petit peu pelgeon. Allez, go, go. Non, putain. Eh ben, dis donc, le L-118, je suis content. Je me réconcilie un petit peu avec. Bon, j'y vais pas en cancel load encore parce que je me sens pas... Je me sens pas encore si bien que ça. Voilà, la C-130, il va péter les couilles malheureusement. Mais faut mieux qu'il pète les couilles aux autres plutôt qu'à moi. Même si indirectement ça me pète les couilles puisqu'il me vole mes kills. Mais bon. Hein, on peut pas non plus avoir tout dans la vie. Je vais la défaire ton insertion. Hein. Je suis pas un fils de. D'accord, d'accord. Il est où lui? Il est. Ah oui. Tu l'as eu? C'est bien, gamin. Ah, j'ai toujours mon Predator. Oh merde. Ah oui, forcément, parce qu'ils doivent camper un petit peu dans le bâtiment. J'aurais dû le prévoir. J'ai mal joué mon coup. Hein. Là, je vais essayer de faire le tour par là. Je sais pas par où ils arrivent. Qu'est-ce qu'il a acheté comme truc? Il aurait pas acheté un C4 ou une connerie du genre? T'aurais pas honte de toi-même, mon pote? Sans blague. T'as pas honte? Je crois que non. Hein. Oh merde. Ah, ça, je sais pas si le Predator par contre le baise. Bon, on va voir le cœur note. Non, malheureusement, ce n'est pas le cas. Allez, triple kill. Là. Cette kill streak là est vraiment très très relou. Allez, je jette ma petite Semtex. Oh, putain. Le Reaper là c'est vraiment casse-couille. Hein. Putain. Il va durer longtemps le kill streak là. Ah putain. Oh là là! Ah dommage. La
le premier shoot quand même aurait pu passer un peu mieux. Alors là, j'ai vu une petite tourelle, j'ai plutôt passé par derrière pour... Non ! Là, tu es. Oh, mec, je tire dessus ! Normalement, je devrais avoir tué le mec, tu vois ? C'est ce qui se passe quand tu tires sur quelqu'un, tu le tues. Okay, là, la collade, c'est pareil, elle aurait pu passer. Hein. Franchement, ça aurait pas été voyou. Ah bah voilà, elle est là la tourelle. Je me disais bien, je la voyais pas. Hello! Is it me you looking for? Oh! Ça... à eux, ça l'IMS, hein. Ouais, il a disparu. J'aime mieux ça. Alors là... là par contre, c'était pas très juste ce qui s'est passé. Je crois qu'il y en a un qui m'attend. Hein. Oh, il est là. Viens là, viens là. Putain, bien joué. En plus, il a fait un petit effet domino. Ouh là là, la grosse cavalerie arrive. Bon, 51-27. Eh ben, je suis content de moi, franchement. Hein. Franchement, je suis pas du tout mécontent de ce que j'ai fait. Très honnêtement, je m'attendais à un truc catastrophique au L118. Et finalement, je m'en suis pas trop mal démerdé. J'ai fait des petites actions que j'ai trouvé sympa. Voilà, je me suis amusé, en tout cas. Vous savez bien que c'est tout le but. Quand tout juste, c'est amusé. C'est pas le ratio, c'est pas les kill streak, c'est rien de tout ça. C'est amusé, c'est tout. Voilà, je suis content de moi. Ah, j'ai mon petit choco. C'est bon le choco. On va mettre le chocolat. Finalement, le thermal, non, mais la compétence focus, hein, n'a pas été si mauvaise que ça. Donc, assez satisfait sur le coup. Bon, bah, je préférais qu'il vote Outpost, mais bon, apparemment, ça va être pour Carbone. Ce qui me fait un petit peu chier parce que je suis vraiment pas très fan de cette map-là, mais bon, allez, on va la faire, hein. Ouh, la Outpost, vite, 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 vite. Lance. Allez. Mais qu'est-ce qu'il attend? J'attends. Ah, merci. Alors, combien il me reste de... les défis. J'ai eu du mal un peu, hein. Pop, 230 sur 300. C'est vrai que dès que tu débloques ce défi-là, donc dès que tu atteins les 10 000 de points de récompense, automatiquement, là, l'expérience du snipe fuse. Et là, c'est pas mal. C'est pas mal. Allez, on va essayer de sur une pause de faire un petite série de kills. C'est vrai que si, là, il me reste 70 kills, il faudrait que je fasse 35 là, 35 l'autre. C'est quand même pas mal. Bon, là, j'étais sur Dome avant, donc forcément, bah, sur Dome, on fait un peu plus de kills. Et là, si j'arrive à faire une bonne série pour arriver aux 300 à la fin de l'épisode... ça serait pas mal quand même, ça serait pas mal. Donc voilà, c'est parti. Je me souviens plus, ah oui c'est là-haut, d'accord. Il est sympa ce petit camouflage choco, c'est vrai que je le prenais jamais trop avant. Ah d'accord, bon bah j'ai pas... non. Alors attends, j'ai vu... non. Bah écoutez, je vais passer par là parce que là je vois pas grand chose. Il semblerait qu'il y ait un mec qui soit là. Oh merde. Putain. Ouah ! Ouah ! Je suis pas d'accord. C'est dégueulasse, montre pas ta langue. Ah bah il était là lui. Oh l'idiot! Oh! Oh ce que tu t'es mangé mon pote! Oh. Alors là... il s'est mangé un de ses turns! Ouais. Bah ouais hein. Écoute, si t'as vu la killcam mon pote, je crois que t'es dégoûté.
Bah dis donc, mais c'est qu'il serait sympa ce petit L118 après tout. Tu vois, je l'ai trop jugé. Merde. Ouais. Le petit headshot qui passe bien. Je vais mettre là dans le souci de faire des kills des gens qui voudraient arriver d'une horizon ou d'une autre. Regardez ces ennemis qui arrivent par là. Peut-être que c'était un allié, j'ai encore vu que du feu. Ah voilà. Non. C'est-à-dire que. Ah. Oh, je l'aurais pas eu là. J'aurais été un petit peu en colère. Alors là, là-haut. Oula. Ouais, là, c'était cuit. Hein. Là, c'était râpé, là, comme les carottes. Blague de merde, bonjour. Et l'autre qui fait, ah bon, c'était une blague? Oui, je sais que c'est tellement pourri que on pourrait se poser la question. Bah ouais, mais regardez les mecs, regardez comment je vais vous défoncer. Voilà, vous êtes tous morts, vous êtes combien? 3? Allez, un peu plus, 2, 1, merde, bah, malheureusement, ça ne sera pas rentable. Ça aurait pu être mieux, hein. Mais ça ne l'est pas, voilà, c'est tout. Où est-ce qu'ils arrivent, les mecs là? Chewbacca! FMJ9, oui. Dans la famille enculée, je voudrais le FMJ9 utilisateur numéro 1. Oui, c'est le fils. Attends, je vais où là? Ah oui, c'est là. J'étais un petit peu perdu! Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il attend, lui? De se prendre un headshot? Sûrement ça. Oh mon pote, il est tellement mauvais, je me fais tuer par le plus mauvais du monde. Si c'est pas la honte, ça. Ouais, on a bien vu qu'avec mes coups de droite-gauche, je ne savais pas trop où j'allais au départ. Alors, est-ce qu'il y aurait pas un mec qui... Ah, voilà. Là, il y a moyen de faire un truc en plus, là. Je pense qu'ils vont être là-dedans. Ah, putain. Je voulais arriver à aller dans le couloir avant que... Ouais. Parce qu'une fois que t'es face au couloir et que tous les ennemis sont là, c'est là où t'as quand même les plus grosses opportunités de faire un massacre. Mais bon, tant pis, tant pis, tant pis. Ah, ils sont là. Il y a quand même du monde encore là-haut, hein, il semblerait, sur le radar. Dommage, putain. Être si près du but. À 2 cm du bol de sangria. Hein? Une petite margarita, là. Une petite margarita bien fraîche. Oula, putain, ça me tenterait, mon pote, là, une margarita. Faut que je pense à ça, sinon je vais plus pouvoir me concentrer, je vais penser qu'à la margarita. Et c'est bon, quand même, une petite margarita. C'est quoi votre cocktail préféré? Allez, dites-le. Bon, ici, margarita, c'est un classique, vu qu'on est au Mexique. Hein, hein? Allez, forcément. Il y avait moyen de faire une quad feed en plus. Hein. Je les ai vus, les mecs qui étaient là-haut. Hein. Ah là 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 là. C'est navrant. Et on va gagner la partie. J'ai envie de dire assez aisément. Sans trop forcer. Malheureusement, pas de clip. Alors qu'il y avait quand même une possibilité. Ils sont combien en face? Ils sont 6. Hein. Putain, je savais pas quel prendre. Fallait que je choisisse un, mais... Ah, voilà. Bon, allez, go, 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 go. Oula, attends. Mais non, mais non, mais non, mais qu'est-ce que tu fais, toi? Mais laisse-les-moi. Mais enfin... Mais tu n'as pas de raison! Mais tu ne réfléchis pas! Putain, la chaise.
Je sais pas si ça s'entend, mais on dirait une grenouille. Ah, il s'est fait tuer. Et non, je ne me suis pas assis sur une grenouille, hein, pour ceux qui se poseraient la question. C'est pas si confortable que ça, une grenouille. Oh, j'ai vu, j'allais pas la voir, hein, sans blague. Hein. Ah là, désespération totale. Enfin bref, on a gagné 25 kills. Ah, ça va pas être assez, hein, malheureusement. Mais bon, c'était quand même une partie assez sympa. J'ai pas très bien joué, alors que franchement, je pense qu'il y aurait eu moyen. Outpost n'est pas forcément une map sur laquelle également j'excelle, dans le sens où je sais pas trop où... Dans la zone de largage, j'aime MW3, de toute façon, je l'ai déjà dit, hein, j'ai rarement joué. Et je m'y mets aujourd'hui, je me mets à la zone de largage aujourd'hui de MW3, parce que la zone de largage, je suis en ghost. C'est pour vous dire que j'ai pas beaucoup joué. Mais Terminal. Ouais, je sais. C'est la margarita qui me manque. C'est quoi votre... Alors, c'est quoi votre... votre cocktail préféré, si vous aimez bien les cocktails. Moi j'aime bien les cocktails, hein. Genre, je dis ouais, les cocktails c'est pour les meufs. Non, pas du tout. C'est pour les hommes qui ont du goût. Tu vois? C'est ça la différence. C'est ça la différence, mon pote. Moi j'aime bien les mojitos aussi. Ça c'est pour les mojitos. Mojito c'est pas mexicain, mais j'aime bien les mojitos. Même si je préfère la margarita. Sans trop de sel autour, parce que des fois ils mettent un peu trop de sel, ça. Tu sais, tu bois comme ça. Tu prends 80 ans. Enfin, dans le sens où ça se plisse un peu comme ça, on dirait. Ou ouais, même si t'avais quand même fait une petite liposuction, tu sais. Genre, le mec, t'as 80 ans, t'as fait une grosse lipo, tu sais. Tu sais, t'as quel âge? J'ai 80. Merde. Tu sais, on dirait une vieille capote étirée, avec qui on aurait dessiné une bouche dessus. Enfin, bref, c'est parti sur Terminal. Et Terminal, logiquement, suivant la manière dont jouent les ennemis, c'est-à-dire que s'ils s'alignent bien, je pourrais mettre une triple. Ouais, forcément. Non, mais la manière dont ils jouent, il y a moyen souvent, Terminal, même si c'est vrai que ça serait un petit peu plus facile pour moi avec le MSR, mais très agréablement surpris avec le L118, parce que d'habitude, c'est une arme sur laquelle que je redoute utiliser, que je redoute faire, parce que bah, c'est pas facile, j'ai du mal, et là pour l'instant ça s'est bien passé. Alors j'ai eu de la chance de pas tomber non plus sur des ennemis trop relous, on va dire, et donc ce qui aide un petit peu. Il y a un gamin qui gueule dehors, j'espère que ça s'entend pas, parce que bah, c'est pas cool quoi. D'accord, je vais jeter ma petite Zemtex moi aussi. Il n'y a pas de raison, monsieur. Avenger, ah je suis un Avenger. Ouh là là! Ouh là, il y avait du mec! Oh! Oh là là! Oh, t'es sérieux? Ouais. Ouais. Il y avait moyen de faire mieux, hein. Franchement. Un mec qui prend le MSR, faut qu'il ait le Varial Scope dessus. Hein. Ah d'accord, il avançait avec son FMG9 à Kimbo l'autre. Oh l'enfoiré. Bon. Oh, il l'a volé. Faut rester zen des fois. Hein. On va le prendre quand même au cas où. Chewbacca, t'es qu'une grosse merde. Le mec il a gilet pare-balles là. Et en plus, il est en main de mort, tu vois. Main de mort. Ah ouais, hein. No more, last end! Fuck you, last end! Ah, Robert Trolling, hein.
Quel bon fils de pute celui-là aussi. Bon, je pense qu'il a dû se prendre quelques molars dans la rue. Salut les mecs, vous êtes des fans? Pourquoi tu lèves la main? Tu veux me saluer? Non, tu veux me frapper? Ouh merde. Ben, je pense que ça a dû arriver. Je pense qu'il y a un mec qui a dû quand même lui foutre une patate arriver derrière. Boum! Tu sais, un petit caillasson comme ça. Tu as juste avec le petit doigt là comme ça. Boum! Là derrière la nuque là comme ça. Ah, ils font mal ceux-là. Ah, ils font mal. Ils font même très très mal. Allez, plus d'ennemis, plus d'ennemis, plus d'ennemis. Oh, le fils de pute! Mais Chewbacca! Putain! Tu portes le nom d'un des plus grands acteurs de cinéma. Chewbacca. Comment ça, c'était pas un acteur? Comment ça, c'était un personnage? Je suis désolé, non? Vous voulez me dire que Spider-Man n'existe pas, après. Que c'est un personnage de fiction. Non, mais, s'il vous plaît, si vous voulez, vous gâchez les rêves de tout le monde. Hein. Pour la peine, je n'irai pas les commentaires. J'ai trop peur que vous me gâchiez mon enfance. Donc, Chewbacca est un très bon acteur. Tu vois, c'est comme là, par exemple, j'ai vu... C'est dingue comment ils arrivent à entraîner les animaux, parce que j'ai regardé La Planète des Singes. Les singes, ils jouent super bien, mon pote. Hein. Je sais pas comment ils ont fait pour leur faire parler, mais... Putain, ils se démerdent bien. Allez, explose. Même pas, bon. Oh là 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 là. Ah ouais, il y a du snipe, hein. Ah ouais, ouais. Ouais, Sniper Lobby, c'est bien. Pas cela, mon pote. Pas cela. Voilà. Il se barre. T'es une petite pute face à un manque de clients. Ah, tu vois, ils ont une manière de jouer qui est un peu relou. Je vais lancer mon hélicoptère. Parce que je suis un PGM. Je pense qu'on a un qui campe derrière. Putain, le hitmarker, mon pote, hein. En plus de la flash, hitmarker. Ça, c'est dégueulasse. Est-ce que je... Merde, j'allais dire, je fais une technique, c'est-à-dire que je jette ma Semtex, comme ça, je cours dans le couloir et je suis toujours un petit peu protégé. C'est une bonne technique, en vrai. Quand on sait jeter la Semtex. Vu que je sais pas jeter ma Semtex. C'est pas vraiment une bonne technique. Putain. Je tirais à côté, quoi. L'andouillette. L'andouillette de 3. D'accord. Je pensais qu'il y avait sa tête, mais. Oh là là, t'en as pas marre d'être un enculé, toi? Boy en duet 2-3, qu'est-ce que c'est bon ça? Ah oui, chose simple comme ça de la vie. Ils font plaisir. Ça fait zizir, l'ami. Oh là là, arrêtez avec vos flashs. Moi je flash, mais j'ai le droit. Oh là là! Oh, t'as plus de visage, Chewbacca! Phase en nom de clan! Mais grosse merde, s'il y a de l'espace! Ah là là! Putain! Les mecs, ils mettent Phase en nom de clan, franchement, ils sont trop périmés, ces types, quoi. Mais vraiment, hein. Le mec, il doit avoir du moisi derrière les oreilles tellement ils sont pourraves. Phase en nom de clan, sans blague, s'il te plaît, quoi. On met Iron, quoi. Ce serait pas un C4, ça? Oui. Oh, comment je l'ai tué avec son C4? Oh là 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 là, mais je les ai humiliés, les types, en face, hein. Et vous avez pas de visage, là. Oh là là. L'enfant putain de sa mère, la salope. Il est où? Bah tu vois, je suis quand même content quelque part de moi. Oula. Voilà.
va passer. Assistant suicide en plus. Non, mais je vais pas le faire non plus. Mais pris pour qui, sans blague? Sans blague. Tout à l'heure, je jouais avec... c'était vraiment très rigolo. Je jouais avec Monsieur Levé12. Et tombé sur un abonné qui avait reconnu Monsieur Levé12. Et le mec, il était comme... Ouais, je connais Monsieur Levé12 et tout. Il a même fait des vidéos avec Gotaga, celui qui joue au snipe. Ah, les mecs. Ah, il les connaissait trop. Un connaisseur. Comment ça, Gotaga joue pas au snipe? Trompé sur... Là. Alors je suis quand même assez déçu de ne pas avoir mis de feed face à un groupe d'enculés pareil et antisémites. Et oui, effectivement, je voulais pas vous le dire parce que je voulais pas que vous détestiez les ennemis, mais ils sont antisémites. J'avoue que c'est pas cool. Ce mec a fait des trucs n'importe quoi, sans blague. Mais qu'est-ce que c'est que ce Beans? Ah, il était là, bien, je croyais qu'il était derrière là. Oula. Bah voilà, et je l'aurais pas eu. Je me serais posé quelques questions. Décidément, les Semtex, je ferai pas de tuto comment lancer les Semtex. Ou plutôt un tuto comment ne pas lancer une Semtex. Ça, effectivement, je pense que je pourrais faire un bon tuto. Voilà, je te détruis ta petite tourelle. LLL. Tiens, va te faire enculer. Lélélé. Mais bien sûr, FaZe Chewbacca. Le jour où ça arrive, mon pote, je m'enfonce un poirier dans le cul. Je prends pas beaucoup de risques, hein, vous inquiétez pas. Bon, à part s'il est riche et qu'il les paye des millions et qu'ils acceptent. Mais dans le cas contraire, je pense que ça n'arrivera pas. Chewbacca, ton rêve de rejoindre la FaZe se contentera au pseudo. J'ai mon téléphone qui fait des bruits. Bon. 36-21, bon, c'est quand même pas mal. Et vous voyez, même si j'ai perdu, même si j'ai pas fait une partie exceptionnelle, j'ai pas perdu ma fierté contrairement à certains ennemis nazis, néo-nazis. Hein. Je voulais pas le dire, mais c'est quand même assez dégueulasse. Voilà. Vous pouvez les détester, envoyez-les des messages. Mais non, je rigole, bien évidemment, c'est une grosse connerie. Pas de bon goût en plus. Alors, tu vois. Mais non, bref, je suis content parce que j'ai pas. Justement, oui, j'ai pas. Que. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai pas... j'ai joué normal, voilà, j'ai pas joué comme une pute contrairement à eux, et j'ai fait quand même des petits trucs assez sympas, franchement quand j'ai tiré sur le C4 et que je l'ai tué, j'étais content, voilà, des petits turns, des petits machins dans l'ensemble, ça s'est plutôt pas mal passé, je suis quand même assez satisfait, donc bah, n'hésitez pas à donner vous votre analyse par rapport à ça, est-ce que vous trouvez que ça a été bien, pas bien, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qui pourrait s'améliorer? Pardon, n'hésitez pas à donner votre avis. De toute façon, l'avis, vous savez très bien que c'est nécessaire. Et un petit pouce vert également, ça fait plaisir. C'est la récompense. Et puis pour ma part, bah, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée, que du bonheur, que des bonnes choses. Et puis je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao, bye!